journée de repos, reconditionnement de nos sacs. Ça fait combien de jours? 5 jours qu'on est sur la route? Ouais, 5 jours qu'on était sur la route. On est donc arrivé à Sainte-Augustine. Oui, le début de la Southern Tier, qui est donc un chemin emprunté par de nombreux cyclistes pour faire la traversée de l'Amérique de la côte est à la côte ouest. Et d'abord, mettez un pouce bleu, oui, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne des cyclopreneurs. Yeah, bravo Loulou. Bienvenue chez les cyclopreneurs. Depuis août 2021, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre de formidables aventures. Alors Olivier travaille, Evan il joue, oui, c'est un peu plus que et papa. Moi aussi, t'es sur l'ordi, je travaille, oh, c'est mauvais pour les yeux quand même. Avoue quand même que c'est super de travailler ici, hein, hein Olivier, on est gâté. Ça le fait carrément, hein. Ouais. Ouais, c'est top. Vraiment génial. Voilà, on débute la journée avec une engueulade, si vous pensez que les aventures... des cyclopreneurs, c'est facile, ça ne l'est pas tout le temps. On a à gérer nos émotions aussi. Et voilà, c'est ça. On n'est pas encore sur la Southern Tier, qu'on débute, sur les chapeaux de roue. Mais c'est une géante route, hein. Très 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 grande, hyper grande. Regarde-moi. Regarde, c'est le petit point bleu, c'est nous. On a fait, regardez là. Il s'est arrêté là. Ça va continuer. Tout là. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. C'est à l'envers, ouais, je sais. C'est pas mal quand même. Plutôt pas mal. La pluie se joint à notre aventure, mais heureusement Evan avait mis son maillot de bain ce matin, ouais, donc il est correct. C'est ça Evan? Oui. On se change, c'est assez intense comme petite pluie, là c'est de la pluie très fine, là. Il pleut beaucoup pour le reste de la route. Alors on continue, il nous reste peu de kilomètres donc, pour arriver dans un sentier. On était majoritairement sur la route ce matin encore, très désagréable, c'est fatigant. Ok, continue. Alors Evan, tu devrais peut-être mettre tes affaires de pluie. Mais non, j'ai un maillot de bain. Ah. It tastes so good, so nice. You're so lovely, so lovely. Yeah. Enjoy. Yeah, thanks a lot. It's amazing. Hein, Evan? It's on the road, on the big road, and then we'd find it. C'est Evan qui nous dit, oh, ça sent bon par ici. Hein, Evan? Ça sent bon, hein? Bon appétit, good appetite. Oh, on rencontre des vaches qu'on ne connaît pas. Ça doit être une vache, ça, c'est sûr. Elle est jeune, avec des grosses cornes. Hein, Evan? Regardez les cornes là-bas. Là-bas, lui, c'est un mâle, avec les grosses cornes. Le noir. Oui. Et le noir tout au fond là, waouh! C'est le papy. Il y en a même des bébés. Ouais. Il y a des trails. On va en avoir. Pas mal Google où il nous mène. Elle est sympa la trail, Evan. Moi, tu l'aimes bien? Il va falloir un peu le sortir du vélo comme l'autre jour avec le sable. Parce que quand même, on va aller très lentement et ça peut abîmer un peu les pneus. Ah oui? Prêt? Tiens, merci mon titi. Là, c'est le challenge avec ce vélo-là. Hop là!
À nous de traverser maintenant. Voilà, on a rejoint la Southern Tier, ça y est. Oui. Et comment tu trouves ça, Evan? C'est une vraie piste cyclable, finalement. Ah oui, j'adore. Ah oui, le premier pour aller ici, c'était un peu bizarre. Parce qu'il y avait un petit trou avec de la boue et de l'eau. Oui. Et il y avait une petite descente à faire, à y monter quand même. C'était un peu bizarre. Oui. Donc ici, c'est parfait. Parfait, là. Hein. J'adore. Moi, je pensais qu'il y avait de... Moi, je pensais qu'il y avait de la... des plantes. Des plantes? Oui. Et je ne m'intéressais pas beaucoup, puis finalement, ici, c'est mieux. Ici, c'est de l'asphalte. Ok. Oui. Bon, voilà. Voilà. Et ben là, c'est beau. Bon. Ah, voilà. Super. C'est parfait. On va bien finir cette journée. Ah bah oui, certainement. On traverse une aire préservée. I mean, you think you're a badass until you meet this one. So we are on the road and we meet a cyclist. When we went from San Diego, yeah. Just arriving tomorrow. We're gonna arrive tomorrow in St. Augustine. Wow. Yeah, yeah, it's amazing, really amazing. In fact, we rode along the U.S.-Mexico border. Yeah, we're making a documentary and telling stories about immigration and the need for different immigration policies in the U.S. that lets more people in. Wow, so excellent. So that's what we're doing. Yeah. Oh wow, with a big group of people riding. Excellent. Wow, yeah. Yeah. Well, have okay, a great cool. adventure. Yeah. 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 Thanks a lot. How can you follow your story? Yeah. You share it on the blog? Yeah, it's called WeThePeopleRide.org. WeThePeopleRide. Okay. I'll cool. say it on camera. WeThePeopleRide.org. Excellent. How about you? We can follow us Les Cyclopreneurs on a YouTube channel. Instagram. Yeah. We make a YouTube channel. YouTube. On YouTube, yeah. Les Cyclopreneurs. Okay. Cyclopreneur. You can get that. Okay, let me look it up. Cyclone Panair. It's a new way of life for us. Wow. And we have a business of winter hats. Not the good place to sell it, but we love adventure. We love making adventure new. Great. A new way for us. Great. Yeah. And are you going to go across Texas? Are you going to go down the coast? Or how are you going to go? We're crossing Texas, yeah. In the middle. In the middle, like, yeah. San Antonio. And exactly. Del Rio. Yeah, if it's possible to cross there. Yeah, yeah, that's great, the route. Yeah. Right. Yeah, that's the route. Excellent. Awesome. Boy, we're so excited for you. Have a great time. Thanks. Thanks a lot. Be safe out pleasure. There. Yeah. Yeah. Thanks a lot. Good luck, buddy. Incredible. You're doing great. Bye-bye. Bye. Yeah! Have a nice day! Thank you. Thanks! Yeah. Thanks a lot! Donc là, on fait un peu d'école à la maison, oh, comme on dit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ouais. Tu as fait des beaux exercices en français, oui. C'est parfait. Et j'ai aussi un dessin. Oui. Ah bah oui, t'en as profité aussi pour faire quelques dessins. J'ai fait lui. Le temps que maman elle corrige l'exercice. Oui. Fais-nous voir. Et c'est quoi? C'est un dinosaure? J'ai créé moi un petit dinosaure. Ok. Le T-Rex. Ok. Bon bah super. Hein. Et le dernier, Mosasaurus. Ok. J'ai en train de le terminer, les écailles, tout ça. D'accord. Mais là, pour l'instant, tu vas terminer ton exercice d'anglais? Peut-être. Oui, c'est sûr. Allez, certain. On termine. Je voulais faire le point également sur hier matin où j'étais un petit peu plus triste de démarrer ma journée plus ou moins fâché. La gestion des émotions sur des parcours comme cela, c'est assez intense. On vit tous les jours des changements. Pour quelqu'un qui est assez stable comme moi, ça sort constamment de ma zone de confort. Donc je cours partout, effectivement, je suis très intense, alors que l'aventure l'est déjà suffisamment. Donc j'ai pu faire le point un petit peu calmer mon intensité, gestion de mes émotions. J'ai pu travailler là-dessus hier. Aujourd'hui, je suis plus relaxé, plus reposé aussi. Et aussi mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne des Cyclopreneurs. Et on y va!